je l'ai contacté et je me suis dit, je vais voir l'Institut parce que je suis quelqu'un de très carré. Donc la première chose qui me tape à l'œil, enfin chez moi en tout cas, l'hygiène et le professionnalisme. Et là, je me suis dit, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son métier, rien à dire. Et là, ça m'a plu. Et là, j'ai pris rendez-vous. Alors, pourquoi j'ai voulu une pose de cils? Tout simplement parce qu'on paraît maquillée, c'est toujours nickel et c'est naturel. Ça me plaît. Ce que je me vois dans le miroir, je me plais et j'ai gagné en assurance. Parce que je me dis, tiens, bah, tu te sens belle, donc bien, bien dans ma peau. Mais tu sais quoi, moi, je peux te dire une chose. En fait, quand tu arrives à la quarantaine passée, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu mûris avec le temps, tu mûris, voilà, t'as une façon de penser de la vie qui est complètement différente que quand t'as 20 ans. Tu vois ton visage transformé. Moi, je vois tous les jours ces patientes qui viennent et qui ont besoin d'être rassurées. Donc, elles vont se faire un botox, elles vont se faire. Voilà. C'est très important pour elles de plaire toujours à leur homme, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je veux être une femme d'une quarantaine passée maintenant, faut le dire. Mais qui veut toujours. En fait, j'ai envie qu'on me dise voilà, tiens, regarde, ça c'est une belle femme. Quand tu passes cette phase-là, tu te dis ouais, tu te plais, c'est chouette. Il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça. Tout simplement.